Je viens de faire un songe où nous étions sur une île. Quand je dis nous, c'est les chrétiens, les frères de l'Assemblée, tous les frères de l'Assemblée. Donc c'est comme si c'était une île pour les chrétiens. C'était un endroit particulièrement pour les chrétiens parce que quand je suis en train de me rappeler, je voyais là-bas, j'étais là, je voyais les papas François, les mamans Edith, Manon, un de mes cousins qui vit à l'ouest avec Maté. C'est vrai qu'il n'est pas, il n'est pas chrétien comme maintenant, mais je le voyais comme s'il était déjà parmi nous. Je voyais Maté. Je voyais beaucoup de frères et sœurs, beaucoup, beaucoup jusqu'à. Et sur l'île-là, il y avait une grotte. Il y avait une grotte. Et j'ai l'impression que c'était la maison de Maté. Donc là, la grotte qui était sur l'île-là, c'était la maison de Maté. Et c'est là-bas qu'on faisait l'assemblée. C'est là-bas qu'on faisait l'assemblée. Et pendant que nous étions donc en assemblée, on a commencé à chanter, chanter, chanter. Et les frères ont commencé à chercher un enseignement pour maître. Les frères ont commencé à chercher un enseignement. Pendant que je parle là, j'entends même comme là. C'était le frère Yannick, donc comme si c'était la voix du frère Yannick que j'entends, le frère Yannick de Bafoussam, qui était devant, il dirigeait, et à un moment donné, ils se sont arrêtés pour chercher un enseignement qu'ils devaient mettre pour suivre. Donc pendant qu'ils cherchaient, moi je me suis éclipsée, je suis partie, donc j'étais comme si j'étais dans la chambre de Maté. J'étais comme si j'étais dans la chambre de Maté parce que là-bas j'étais en train de faire quelque chose. Après, j'ai vu Maté venir. Elle m'a dit que ouais, quand tu fais comme ça, ouvre les fenêtres et tout et tout. Donc elle est venue. Les frères étaient toujours dans la salle où il y avait l'enseignement, où on était en train de prier, en train de chercher l'enseignement. Donc elle est venue comme ça dans la chambre. Donc, maintenant, elle est venue dans la chambre avec Manon et mon cousin qui restait à Bafoussam avec elle là. On a commencé à bavarder, bavarder. Et on est sorti. On est sorti comme à l'extérieur de sa chambre. Moi, on était toujours dans la grotte. On est sorti et c'est comme si on était dans la cour qui donnait vers la porte de la grotte pour sortir de la grotte. Donc nous étions comme dans la cour de la maison, quoi. Et avec les matins, on était en train de papoter, de causer et tout. J'ai pris comme mon téléphone. J'ai pris comme mon téléphone et directement sur mon téléphone, je tombe sur les informations. Et les informations, là, c'était sur une chaîne française. C'était sur une chaîne française où la journaliste était en train de dire que on a découvert une île où vivent les chrétiens et sur cette île, il y a des rassemblements qui se font sur. Toi, il est en train de dire ça comme une journaliste, il y a des rassemblements qui se font dans une grotte. Dans une grotte. Et là-bas, il se passe des choses extraordinaires, des miracles, des guérisons, des expériences surnaturelles. Donc, elle a dit qu'il se passe des choses vraiment qu'on n'a jamais vues sur la terre. Et beaucoup de personnes sont en train d'y aller, même des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et pendant qu'elle a dit que beaucoup de personnes sont en train d'y aller comme ça pour déjà voir ce qui se passe, pour participer aux prières, pour être guéri et tout, je suis en train de voir comment beaucoup d'Européens, beaucoup de Blancs, bon, je ne veux pas des Européens, des Blancs. Beaucoup de Blancs sont en train d'entrer dans la grotte là. Donc moi, je suis dans la grotte, mais en voyant l'information dans mon téléphone,
Tu vois comme si le reportage a été fait sur l'île. Et dans le reportage, beaucoup de blancs entraient pour venir en assemblée. Beaucoup de blancs entraient. Donc, elle commence à dire que cette île mystérieuse est à visiter. Il faut, tout le monde doit y aller, doit encourager les gens à y aller parce qu'il se passe des choses merveilleuses là-bas. Elle a parlé comme ça. Et après, j'ai arrêté de voir le. Donc, c'était comme un extrait d'un journal, de voir ça. Et bon, j'ai continué à parler avec Manon et Maté. Et j'étais entêtement émerveillée. On disait que waouh, voilà les choses du Seigneur comme ça. Jusqu'à tout le monde, toute personne dans le monde entier accourt pour venir voir ce qui se passe ici, jusqu'à ça passe au journal. Nous étions émerveillés, on rendait grâce au Seigneur et mon rêve est fini. Thank you.